Et c'est au fouet. Hubert Maga du Bénin, vous avez dit aussi. Dahomey, oui. À l'époque, c'était Dahomey. Dahomey, oui, voilà, c'est eux que la France a utilisé contre les vrais RDA, les vrais défenseurs. Parce que pour le Niger, par exemple, c'était le Sawaba, le parti Sawaba, qui était la section du RDA au Niger et qui demandait l'indépendance immédiate, sans condition, comme en Guinée. Et ils ont été mis de côté. Et on a fait monter ceux qui étaient prêts à la collaboration, puisque, comme je vous disais tantôt, Houphouët Boigny était ministre d'État du général de Gaulle. Donc l'indépendance a été sabotée. Donc Houphouët Boigny était le recruteur officiel de Gaulle en Afrique ou pas? C'est le préfet, comment on appelle ça? Le représentant. Le chef des valets locaux, en fait. Absolument. Mm-hmm. C'était le proconsul français pour l'Afrique de l'Ouest francophone. Et il a joué très bien son rôle, jusqu'au bout. Jusqu'au bout de sa vie, il a été attaché de façon ombilicale à la France. Moi, ce n'est pas quelqu'un qui me l'a dit. J'étais là, à Lomé, à la réunion des chefs d'État. J'étais avec le président Sankara. Quand Oxens, le DG de Air Afrique à l'époque, un Congolais, est venu avec son plan de redressement de la compagnie aérienne pour exposer au chef d'État. Et c'est Oxens Ikonga. Il proposait de licencier, je crois, 400 ou 500 employés d'Air Afrique pour pouvoir redresser la compagnie. Et c'était Eyadema qui présidait. Eyadema dit, ah, quelle solution on a par rapport à ça? Je vais demander la parole au doyen. Houphouët Boigny a dit ceci. Je vous ai toujours dit qu'un noir ne peut pas diriger une compagnie en Afrique. Air Afrique ne peut pas être dirigée par un Africain. Houphouët Boigny a osé dire ça. Devant tous les chefs d'État. Oui. Et il a dit, donnez-moi le feu vert. Je veux voir mes amis français. Ils vont nous amener un Français pour redresser Air Afrique. Il n'y a que Thomas Sankara qui a pris la parole pour dénoncer ce comportement-là. Et donner l'exemple de Ethiopian Airlines qui existe depuis 1945 et qui n'a jamais utilisé un expatrié comme DG. Mais jusqu'à nos jours, Ethiopian est une des premières meilleures compagnies du monde. Ce n'est pas de l'Afrique seulement, du monde. Et systématiquement, Il faut arrêter de louer les avions sans payer, transporter vos ananas et vos produits sur la France sans payer, nommer vos anciens ministres, demander à ce qu'on nomme vos anciens ministres comme des directeurs à l'intérieur de la compagnie avec les avantages inouïs, et la société peut se redresser par nous-mêmes. Sankara était donc le seul et unique à prendre la parole pour défier Houphouët Boigny, oui, sur l'avenir de Air Afrique. Et quand il a fini, Yadema a dit que de toute façon le débat est clos, on va demander au doyen d'appliquer sa solution. Voilà comment Yves Roland Bilkar a été nommé DG de Air Afrique. Il a vendu tous les avions, tous les Boeing, et commencé à payer les Airbus. Et je me rappelle très bien de cette interview qu'il a donnée à Jeune Afrique, puisqu'il n'arrivait pas à redresser la compagnie. Il dit que lui, il croyait qu'il ne savait pas que les Africains ne voyagent pas, mais les Africains déménagent, parce qu'il faut doubler le poids de bagages, les kilos de bagages par passager. Alors que, d'autre part, les techniciens d'Air Afrique disaient à l'époque que l'Airbus n'avait pas de... comment ils appellent ça? La soute à bagages ne contenait pas beaucoup. Donc, on était obligé d'affréter deux avions pour New York. Un avion qui part avec les passagers et l'autre qui part avec les bagages. Évidemment, ça veut dire que la compagnie va tomber. En fait, il est venu pour tuer la compagnie. Mais bien sûr. Il a réussi sa mission. Alors, on continue l'émission avec vous. Les gens se sont demandé même comment Maurice Amego est parvenu à être finalement président de la Haute-Volta. Écoutez, ça, c'est chez Houphouët que ça s'est réglé. Hein. C'est Houphouët Boigny qui a fait de Maurice Amego. C'est lui qui a fait de Maurice Amego ce qu'il était. Si vous lisez Albert Salfo Baliman, c'est écrit des signes noirs sur blanc. Le premier gouvernement de Haute-Volta, de Maurice Amego. Il a été composé dans le salon de Houphouët Boigny avec d'Orange Michel,
qui était un capitaine français, qui était député de la Haute-Volta, et Oufoué Boigny. Et Oufoué lui a dit, je t'avais bien dit de ne pas chasser l'armée française, et De Gaulle a refusé de se mêler de ça. Donc, c'est une lecture à l'envers, à faire comprendre aux autres chefs d'État qu'il ne faut pas toucher aux Français, à l'armée française, sinon une fois que quand tu auras des ennuis, tu seras seul face à la rue. C'est ce qui s'est passé dans des pays comme la Centrafrique. On a ramené des présidents de Paris à Bangui dans des avions militaires français. Ça, c'est connu. Moi, je ne peux pas me sentir plus proche de la France que du Togo ou du Ghana ou du Mali. Non. Nous, pourquoi nous n'avons pas maintenu l'Afrique occidentale française ? Et que les hauts feux ont été utilisés pour balkaniser l'Afrique francophone. Pourquoi ? Parce que c'est divisé pour régner. C'était plus simple. Non, nous choisissons de dire que c'est un mot invariable. Le citoyen de notre pays s'appelle Burkinabé. La femme, l'homme, l'enfant, même chose. Il n'y a pas de masculin, féminin dedans. Et ça, c'est nous qui décidons. On n'a pas de... On ne paye pas de tribut à la langue française pour ça. Voilà. A commencer par le président Oufoué Boigny. Moi, j'allais le voir souvent en tant que ministre des Affaires étrangères. Et il n'a jamais voulu prononcer Burkina Faso. Il disait Burkina, votre affaire, Burkina Faso, quoi là, Burkina Faso, ben, des choses comme ça. Avec l'air de... Si, si. Ça a commencé par notre voisin immédiat.